voilà les plus beaufs. C'est bon. On a le badge. Le chef a tout, le chef a tout le tous les instruments pour les technologiques, Ce que je pensais, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Mais c'est ça. De quoi? Pas ici, tu vois. Pas ici, mais. Pas un problème. Toi, t'as un problème. Il va se faire quoi là, mec? Il va se faire enculer. Je vais vous donner les ordres au fur et à mesure si vous voulez. Ouais, ok. Bah, faut que tu translate in real time. Je peux pas. Ok. Et on s'enjaille aussi? Oui. Pour l'instant, on fait pas les feuilles. Not the paper for the moment. Ok. Yeah. Regarde, viens voir. Viens voir, Coco. Ouais, tu verras pas avec des reflets. C'est bon. Les mecs, ils ont l'air là. Ils ont lévitation dans tout. Ah ouais, si ça va être plus fort. Ouais, mais disons, je vais avoir une découverte. En mode, je vous vois pas. Bah, sinon, on peut arriver comme ça. Ah oui, sur le côté. Un Arsène. Avec le baldou. Parfait. Petite apparition de toutes les personnes. Avec lui, son dernier. T'as un problème? C'est toi ton problème. Filme ça bien, dépêche-toi. Filme ça bien. Tu manges bien, toi? Tu manges bien. 3, 2, 1. C'est à moi de me faire interviewer. J'ai l'honneur de me faire interviewer par le grand et jeune Iwen. Comme dirait le Ruben. J'étais en 3ème en internat à Pontivy. Et avec mes potes, je me souviens, c'était quelques jours avant le brevet. On était au self et on avait un pion qui était notre CPE et qui était vraiment une teigne. À chaque fois, il était vraiment tout le temps sur notre dos, insupportable. Et on avait appris que pendant son enfance, il était fan de Starkey Hutch, enfin jusqu'à, je pense, sa trentaine d'années, hein, comme ça. Il était surveillant, il avait déjà, et il portait la coupe Starkey Hutch. Et du coup, bah, pour se foutre de sa gueule, on lui avait gueulé Starkey Hutch en se barrant du self, en courant, et il nous avait rattrapé. Il était fou enragé, il avait de la bave blanche sur la joue. Et du coup, il nous avait collé le lendemain, et c'était la veille du brevet. On avait passé toute la journée de 8h à 17h en cours à travailler notre brevet. Bon, ça va, c'était un mode point bien, mais bon, j'ai pas eu mon brevet. Krabby TV, vous êtes en direct de Krabby TV avec tonton David et tonton Gus Aubert. On est là, dans ta zone. On va te raconter ce qui se passe sur le terre-terre. Mais parceiro, sem aquela de choro, por amor, mais que parte cedo. Wow.
Waouh. Ça va, c'est que le fisheye. Putain, c'est le deuxième. Ouais. C'est aquella de show du dos. Pour amour. Brian, mec, va accompagner l'ange d'Anté. Avoir mis son l'ange d'Anté. L'ange qui me vient. Brian, c'est un touché, mec. C'est un touché, le gros. C'est un deadline. Tu es du mytho. Bonjour. Bon alors Baldou, où on en est au niveau des clips? Bon, on a bon, on a bien fait presque la moitié. Cool. Salut la jeunesse française. Ouais, même danser, on va qu'il y a la banque. Gangsta. Vas-y, on va Frôle. Tu peux encore, t'as 10 cm de marge. Attends, ouais, tu peux aller encore plus près. Tu vois la bêtise arriver ou pas? Je vois bien le carreau cassé. Mais... Ouais. Gang shit. Rabbi Louis. 206 ou la trotte de Pélo qui va gagner. On sait pas. On va essayer, hein. I've been a sick time in Nantes. With the gang, Mocavel. Thanks for getting me out here. Been sick, but we're chilling on the rooftop, drinking, vibes, and you know that. Yeah. Gang shit. Yeah.